Salut à tous, salut, bienvenue dans une toute nouvelle vidéo. Bonjour Gats, bonjour la salle, bonjour Eden. Très bonjour. Et voilà, ça commence, ils vont me dégommer ma vidéo dès le début. Voilà, et bah voilà, ça me fait des queues de poisson. Change de veste, habille-toi différemment. Bah ouais, je pense qu'on va tous faire ça. Bonsoir la salle, comment vas-tu? Bonsoir Eden, bonsoir Gats. How are you? I'm fine and you? I'm fine. Wow. Ah bah Eden, j'ai ton bug. Ah, première personne. Il y a des gens qui sont déjà à la fin de la méga rampe, on va le dire. Horrible. J'espère que tu vas l'avoir le bug, la salle, tiens, il est horrible. Moi, on me dégomme, hein, je bah, moi, je peux rien faire, les gars. Moi, ça juste va. Descendre, je... quoi. Moi, ça va, voilà, descendre. Je sais même pas comment je fais pour faire la méga rampe, les gars. Moi aussi, bah, regarde, Daniel, j'arrive là. Je pense que je vais tomber, je vais pas tenir comme bah, ça. Je suis tombé, moi. Et bah, voilà. Je suis tombé à la fin, comme par hasard. Ouah, par contre, elle est magnifique, la méga rampe. Vous avez quoi comme véhicule? Adder. La Italie GTP, moi. Alors maintenant, moi, qu'ils m'ont pas poussé, qu'ils m'ont pas fait de queue de poisson, est-ce que ça va passer mieux? J'ai la Virtus, quoi, Dani? Alors moi j'ai la Cyclone, ouais. Alors on m'a encore poussé par derrière. Mais elle est hard un peu, la méga rampe là. Ça va. Elle est pas hard, ça passe. Non. Allez bah, je suis tombé encore à la fin. Aïe. À la fin, il y a un saut, il est un peu cruel, hein, je trouve. Hein. T'es passé la salle ou pas, toi? Ouais. Ah ouais, t'es passé la salle? Ouais. Ah, je l'ai vu, en avion. Ok, bah moi, pour l'instant, ça passe pas du tout. Ah bah c'est bon, je suis passé. Voilà. Ah, je vois le saut que tu parles. La mini-rampe, là. Ouais. Ah, je suis tombé à la fin, mais non. Ouais, je suis passé, c'est bon. Allez. Je tombe à la fin. Allez, reste dedans. Oui. Reste dedans, waouh! Eh, je fais des trucs, les gars, c'est abusé! Ouais, maman, je droit, mon véhicule Eden. Part à gauche! Maman, je t'ai vu tomber, Eden! Okay. Mais mon véhicule, il part à gauche! Alors, ce qui est bien, c'est que les trucs sur le côté nous. Bah, ça dépend en fait, des fois ils nous poussent, des fois ils nous poussent pas, mais c'est un peu bizarre. Ça nous mais ramène en fait, dans le. On passe au-dessus du point! Ah ouais? Ouais, quand ouais. Tu sautes trop vite, ouais, tu passes au-dessus du point en virtu tout à l'heure! Bah, moi j'étais en cyclone, ça allait! Alors par contre, qu'est-ce qu'on a comme maintenant? Et les gars, moi mon véhicule il veut pas passer du tout, c'est... Ah ouais? Bah moi ça, pour l'instant pas, je fais que de sortir à chaque fois. Bon, par contre c'est magnifique les gars, c'est un peu coloré, j'aime bien. Je suis dernier, dites-moi. Je suis 15ème. Je suis 10ème. Alors je suis 15ème parce qu'on m'a poussé par contre. Je suis 2ème. Ok, le frein à main. Eh, je peux pas gérer le véhicule avec le frein à main. Oh, je suis passé direct, j'ai gagné plein de places. Les gars, vous arrivez à gérer le frein à main, vous? Ouais, moi j'arrive pas du tout. Mon véhicule, oh, il veut là, pas. Oh là la poisse. Mais non, ça fait 12 fois, mais non, c'est trop, ça fait 12 fois que je tombe. Là, ça, j'ai fait pareil que toi, j'ai traversé le point, je suis parti à l'autre bout de la. Mais ouais. Ok, wow, j'ai failli tomber à la fin. Ouais, peut-être moyen de passer. J'aurais jamais dû prendre ce véhicule, il est horrible en descente, les gars, ma parole. T'es toujours au premier véhicule, Eden? Ouais, y'a quelqu'un qui m'a poussé avec son 4x4. Alors les gars, je suis 13ème personnellement. C'est toi? Ouais. Allez, mais t'as fait l'effet, tu vas me faire passer peut-être top. On va dire au véhicule top 10. Parce que j'arrive pas à aller jusque là. Et je tombe toujours ici là. Tu tombes où toi, Eden? Au saut à la fin ou pas? Bah la salle m'a fait passer, merci la salle. Je suis tombé. Aïe, bah je crois que la salle t'as sacrifié ta vie pour Eden. Bon bah je suis passé de premier les gars à 10ème, hein, tombez pas. Mais t'es juste avec moi la salle en fait là. Ouais, okay. Alors, tu pousses hein. Ah bah moi j'y vais hein. Oh le Monstro City les gars. Monstro non. City. Ouais, je suis tombé la salle à cause de toi. Oh là là mais... Par contre tout le monde est là, hein. Le mec qui arrive à passer, non, je pense qu'il est non, premier non, là. Non, pas comme bah ça. Bah non, je suis tout en bas, je suis 4ème. Ah ouais. Ouais, mais oui, j'ai eu l'aspiration, ça va me coûter cher cette aspiration. Oh, ouais, bah voilà, je savais, hein. J'ai eu l'aspi, mais ça paye pas, malheureusement. Ah ouais. Bah, tu sais que vous savez, des fois, l'aspi c'est bien, mais dans des méga rampes, c'est pas ouf, hein. Mais tu sais pourquoi? Pourquoi? C'est bien pour aspirer la poussière. C'est, ça marche bien. Vous avez quoi comme aspirateur chez vous? Un Samsung. C'est quoi de... La question. Ah ouais, le mec. J'en ai deux, en fait. Catastrophe. La transition. Et ouais, en plus, tu m'as tellement perturbé que tu m'as porté la poisse et j'ai eu un saut. Je suis 17ème. Eh les gars, c'est pas. Tu rigoles, mais j'en ai acheté un il y a pas longtemps. Il est pas mal, hein, en vrai. Hein. Le mec, il sait faire la conversation. Ouais, vous avez quoi comme. Alors, moi, personnellement, j'ai un Dyson comme la salle.
Ah ouais. Voilà. J'aime pas moi Dyson, ça aspire pas de ouf. Mais t'es malade toi. Moi les gars, je vous le dis, j'ai un aspirateur. La salle, j'ai dû voir le Dyson, comment c'est puissant. Bah ouais, tu mets un aspirateur puissant et il aspire puissant quoi. Après la salle, il a... Oh là là, mais c'est bon, j'en ai marre au bout d'un moment. C'est tout le temps ici que je tombe. Je sais pas si vous aussi, mais le mien, il me raconte sa vie. Après, moi j'en ai trois. Hein. Ah ouais. Moi j'en ai deux. J'ai celui qui se balade tout seul dans la maison. Pour tes trois châteaux, ça c'est le feu ça. Donc j'ai celui qui se balade tout seul. Après, j'ai le Dyson. Ouais. Et j'en ai un. Il aspire et il lave en même temps. Ah bah c'est celui-là, la salle que je te disais. Mais il parle lui non? Léon, on est vraiment parti sur le sujet des aspirateurs. Bah ouais, c'est vrai ça. Genre... Ça c'est celui que je t'ai envoyé ou pas? Bah je sais pas, je l'ai acheté il y a quelques mois. T'en as envoyé un il y a pas longtemps en message privé, je crois qu'il faut que tu le prennes. Ah ouais, ça doit être ça ouais. Ouais bah c'est celui-là, mais il est magnifique celui-là. Je suis bordé. Voilà le sujet de la vidéo toi. Ça aspire très bien d'ailleurs, vous voulez en savoir plus? Non mais tu sais que c'est incroyable cette technologie en vrai. Tu peux le mettre au micro, on entend le bruit un peu, c'est lui qui abuse. Mais après les gars, par contre ça nettoie. Mais ça remplacera jamais La main, une serpillère, tout ça, ouais, voilà. Alors moi, les gars, j'ai un balai vapeur, il est incroyable. Ah ouais. Réellement, j'ai un balai vapeur et ça lave très très bien, genre. Bah, chez moi, le sol, il est, tu sais, il brille, quoi, donc... Et niveau lessive, vous êtes plus Ariel ou... Niveau lessive, ça, c'est quoi, t'es Dash, toi, non? Dash moi, 2 ans, je, mets, je ouais. prends un truc hygiène plus et un truc sans un truc pour les vêtements bébés, quoi. Apparemment, Eden, toi, tu laves tes fringalos, c'est ce qu'on m'a dit. Non, alors, toi, Eden, on va parler de toi, ça te fait bien. Elle est pas mal, celle-là. Attends, parce que Eden, il clash, mais attends, Eden. Parlons de toi, Eden. Parlons d'hygiène. Les gars, on va expliquer, c'est bien, parce que je savais pas comment trouver cette solution, mais là, tu es dans la perche. Faut inviter Costa, alors. Les gars, Eden, il a une... La fille de WAM, les gars, Eden, et la salle, il va rigoler, il va se rappeler. Eden, il a une couverture. Tu vois la couverture laquelle je parle, la salle avec des carreaux bizarres comme ça, bleu, gris, chelou. Moi ouais, je l'ai encore. Il a commencé YouTube, il l'a jamais lavé. Waouh. Tu sais que je... Et tu me crois si je l'ai sur moi là? Mais oui, mais les gars, il l'a depuis qu'il a commencé YouTube et c'est la couverture qui frottait son micro à l'époque. T'es au courant qu'il y a une civilisation d'acariens? Non, mais je tiens à dire un truc, le chat a pissé dessus il y a quelques jours et j'ai lavé. Moi, enfin, il y a une semaine, pas, quoi. Moi, j'y crois moyen. Mais j'y crois pas du tout. Non, mais cherche pas, tu peux pas rivaliser face à ma blague. Il y a 1-0 pour moi, là. Mais il sait laver ses vêtements à l'eau. Des fois, c'est mieux, hein, des fois. Les gars, je suis tombé en scramjet, vous vous rendez compte? Moi, wow. j'ai un truc à vous raconter. C'est la salle, tu c'est me dis... Comment t'as fait, ouais. Ah ouais, la salle, tu me dis si c'était déjà arrivé, les gars. Je raconte une histoire. Est-ce allez, que vous aussi, salle, ça vous est déjà arrivé, genre vous partez en vacances, genre avec des fringues et tout, et genre bah vous êtes à court de caleçons ou de chaussettes, et genre vous sentez celui qui sent le moins bon, enfin qui sent le plus bon, et vous le mettez. Mais t'es un malade, toi. Quoi? J'ai rien compris, mais c'est bizarre déjà ton histoire. Hein. En gros, t'as un caleçon. En gros... T'as des caleçons qui puent en gros la salle et t'as pas le choix parce que t'es obligé d'en mettre un qui pue. Mais tu sens celui qui pue le moins, genre. Ah ouais, jamais. Non, 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 non. Mais alors, j'en mets pas. Allez, abusez pas. Genre, arrêtez de faire genre, vous l'avez. Mon Eden, t'as un menteur en Espagne, tu l'avais fait. Aïe aïe. C'est un menteur, Eden. Tu sais ce qu'il faisait ou pas, Eden, la salle en Espagne? Il lavait les fringues avec les savons dégueulasses qu'ils donnent dans les hôtels là. Ah ouais? Mais ça va, t'as pas dit genre il se mettait sous la pluie, il attendait que ça, ça se lave tout seul? Non, c'est ça. Ah, hey, ouais. Histoire véridique, et je vous jure que les gars, c'est vrai cette histoire, les gars, vous allez me croire ou pas, Gats. Et lui, il ment trop, c'est quoi? Écoute, je vous raconte l'histoire. On est avec Eden en vacances en Espagne, du coup. Et bref, ah là là, les forceurs. Eden, il a plus de caleçon. Sauf que voilà, on voulait pas faire appel au room service et tout, parce qu'il était malade et tout. Donc Eden, il fait quoi? Il descend à la plage et vous me croyez ou non, il a lavé son caleçon à l'eau de mer. Mais tu sais qu'il y a rien de mieux que l'eau de mer, ça qui comprend t'sais pas. Tu sais que l'eau de mer c'est pur hein, au cas où. Mais oui, c'est pur et en plus de ça, c'est écologique. Alors désolé d'être écologique, Adeline. Donc. Ah ouais, il voulait clasher, mais. Au moins, elle a le sale. Au moins, moi je fais pas tourner une machine pour un caleçon quoi, donc bon. Une chemise c'était. Une chemise, pardon. Ah, mais ça c'est. Il y a
après fait des trous dans le plafond. Ouais, après le plafond il s'effondre. Oh les bas. C'est quoi cette histoire de fou? Voilà la salle. Oh non. Non, je suis tombé à cause de toi. Les vrais avaient la photo, hein. Les vrais avaient la photo. Je sais plus où on l'a mis. Les gars, la Scramjet, je sais pas vous, mais moi. Ok. Waouh. Sinon, vous utilisez quoi comme sambon pour chez vous? La salle, t'as fait comment la Scramjet? T'as allé d'un coup? Ouais, en deux fois. Ah ouais? Et les produits pour le lave-vaisselle, vous êtes plus tablette ou. Pour la vaisselle, ouais. Tablette, ouais, tablette, deux fois liquide, non. Ça dépend. Mais moi j'ai une question parce que c'est, je sais pas si c'est une légende ou quoi, mais apparemment il y a des gens qui mettent la tablette dans le bac à couvert. Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Ouais, du tout, ça en met partout. J'ai déjà testé, c'est nul. Ça en met partout. Mais les gars, j'arrive pas à passer avec la Scramjet. Faut le mettre là où c'est, hein. Ils ont créé la vaisselle, ils sont pas cool, ils sont pas dit vraiment, ils vont jeter la pastille dedans comme une grenade et ils vont refermer le truc là. Tu le mets dedans quoi, genre, je comprends pas. Allez. Y'a peut-être moyen de faire un truc à travers. Par contre, non, véridique, les gars, bon, ça c'est peut-être pas écologique après, voilà, mais par contre, en vrai de vrai, la vaisselle, les gars, c'est une invention géniale quand même. Mais la vaisselle, c'est plus écologique que faire ta propre vaisselle au cas où, hein. Ah, bah bon, peut-être, bah tant mieux alors. Bah, oui. Ah, ouais, ouais, si, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, t'as raison. Tu remplis, je sais pas. Mais tu dépenses plus d'électricité. Bah pas non, forcément. Pas forcément. Mais c'est une révolution. Après, ça dépend. Ça dépend comment t'as de vaisselle à laver. Mais si tu le remplis bien, t'as une vingtaine. Moi je sais, j'ai déjà fait la vaisselle chez la salle. Voilà. Ouais, mais. La salle doit avoir un lave-vaisselle XXL, tu sais, c'est dans les restaurants là. Non, mais vous savez ce qu'il fait la salle professionnel. Histoire véridique. Est-ce que je peux vous raconter une histoire sur la salle? Allez. Ouais, la salle, je vous explique. Il va boire un verre de coca par exemple, on est d'accord. Et bah là derrière, il va aller boire un autre verre de coca. Vous savez ce qu'il fait? Il prend un autre verre. Mais moi je suis pareil que lui, je fais pareil. Pareil. À la fin, il y a 60 verres posés sur la table. Mais tu sais que c'est lourd. Moi je suis pareil, je sais pas pourquoi on fait ouais, ça. Ouais, je suis pareil. Je sais pas, pour moi le verre, tu sais, c'est usage unique quoi. Tant qu'il est pas repassé. Tant qu'il s'est pas fait des gobelets. C'est des gobelets en fait, c'est des gobelets. Tant qu'il s'est pas fait laver, pour moi il est inutilisable. Mais moi je suis pas. C'est vrai, et je me retrouve. Et des fois là, tu sais, je bois dans mon setup et tout. Et des fois, je me retrouve avec 40 verres. Je me dis, ah ouais, en fait, j'ai peut-être un peu abusé. Ils veulent pas respawn. Attends, les gars, je bois la bouteille direct, je me fais pas chier. Je... Il y a un bouchon en bas de la rampe, les gars. Non. Je vous le dis, il y a un bouchon, personne ne veut respawn. Ah ouais? Ah ouais, il y a un gros bouchon. Il y en a, ils bougent pas, c'est qui? Oh là 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 là. Et toi, la salle, c'est avec le gros camion là? Non, moi je suis en Briozo, parce qu'elle Briozo, comme d'hab. Ah ouais, on la connaît. C'est qui la Scramjet, là? Oh non. Oh, les forceurs, allez, faut bouger, là, les gars. Ok. Regarde, Aiden, t'as vu le bouchon qu'ils font, là? C'est vrai que c'est vraiment des forceurs. allez. Moi, j'attends qu'ils passent, hein. Oh là là, mais tu passeras pas Aiden en, comme ça, hein. Ma parole. Gaz, non. Mais non, je peux pas gérer le frein, non, ça m'énerve, à chaque fois ça me fait ça ici. Vas-y Gats, bouge, mais qu'est-ce qu'ils font les camions là? Mais ouais, mais ils veulent pas bouger. Mais Matt, frère, ils bloquent. Matt. Oh là là, au bout d'un moment. Et y'a le chat qui crie dans la chambre en plus, c'est ça le pire. Mais personne ne veut respawn en fait, y'a trop d'égo, non. Voilà, et y'a Ryzex qui y en plus. Il faut que quelqu'un vienne déboucher l'évier. Regardez, je peux pas utiliser le frein, non, ça m'énerve. Vas-y, je suis tombé. Mais non, mais ça m'énerve cette course. C'est trop comment ils bloquent tout ça. Je peux pas utiliser le frein, hein, c'est un truc de fou. Allez. Et là. Bon, je passe, c'est bon. Ok. Allez. Ouais, y'a un camion. Je reste pas dedans, j'ai pas le choix. Les gars, vous êtes combien de chem? 24. Mais oui, ils bloquent. Ah, en fait, ça va, vous êtes plus nuls que moi en fait. Non, t'as eu de la chance toi. Mais la salle, je pense pas qu'il soit 24 par contre. Premier. Désolé, j'ai eu. Ah ouais. Vous avez parlé d'aspirateur, je suis parti voir la marque de mon aspirateur, j'ai mis un peu de temps. Mais du coup, je suis dernier. Regarde. Allez. Oh. Là, alors la seule bonne chance pour passer avec ça. Eh ben, si ça bloque en bas, on pourra pas. Hein. Bah écoute, on verra. Hein. Je suis avec toi. Ah, je suis en Scramjet. Par contre, j'ai ton aspi, c'est horrible. Tu vas me faire tomber dans tout. Oh là là. Je viens de faire un truc, les gars.
Tu ralentis pour pas de dégâts parce que sinon. Oh, merci le. Je sais pas c'est. Bah, qui, même comme ça, c'est galère, hein. Ouais, ouais, j'ai. Ouais. Why. Allez, on peut le faire, les gars. Oh, allez, allez, on peut. Vas-y, la salle, tout droit, vas-y, je te. Vas-y, vas-y. Ouais, vas-y. Je vous vois, les gars, je vous vois, les gars. Let's go. Waouh. Mais attends, vous aviez quoi là? Je vous ai vu en bas, c'est vous en bas, ouais. On avait un bus sur mesure. Un bus. Un bus, quoi. Wow. Un vrai bus. Un bus. 60 personnes, 60 verres dedans, quoi. Allez. Bus scolaire. Le bus magique. La salle, il a pris le gameplay. Au calme, ça lui fait une troisième vidéo. Allez, bus du festival. Ok, par contre, les gars. Par contre, la rampe est jolie, hein. Ouais, bah oui, elle est. C'est franchement magnifique, hein. Mais c'est compliqué, franchement, elle est vraiment, vraiment hard. Hein. Ah, j'ai la scramjet. Alors là, moi, la scramjet, je vous le dis, j'ai triché, hein. Voilà. Je suis tombé et je suis revenu. Ok. Alors, ouais. Le bus passe bien ou pas, les gars? J'étais sur la place en scramjet, je suis revenu sur la méga rampe. Banal. Ah ouais. Non, c'est incroyable, les gens sont focus sur moi ou quoi là? Mais on gagne plus de place et c'est fini en fait. C'est vrai que si j'en gagne moi un peu quand même. T'es combien? Parce que moi je suis 20. 22. Je comprends rien. Et je viens de rush la truc là, je viens de passer la. Bah la scramjet, les gars, je suis allé direct, hein. Bah attendez, les gars, je dois remonter en scramjet, je peux pas, j'arrive pas. Ah, remonter en scramjet? Ouais. Ouah, c'est devenu face to face ou quoi? Allez. Ah ouais, c'est impossible. Bah bonne chance, hein, mais c'est impossible. Hein. À part, attends. Non, c'est impossible, je pense. Tu arrives à la salle, là, je te vois remonter. Ouais, c'est bon, ça y est. Hop là. Oh, papa, j'ai cru que j'avais pas d'élan. Oh, j'ai paniqué. Waouh. Oh, salut, toi. Non, là, ce que je viens de faire. Qui c'est ça qui est passé, là? Ok. Ok, y'en a un qui est en bus aussi avec moi là. Moi, la vie pour la salle, c'est The Willeries! Ouais, j'ai cru que c'était un soundboard. Sadagina gazo goto kasi kila kashana vakasini lofoe. Moa. Moa. Il fait des incantations ou quoi? Yimayala esayana shayafa kaneya zidia. Ah non, c'est quand il démarre son aspirateur, ça fait ça. T'imagines? Non, parce que j'ai un collègue à moi, vous savez, il y a la CAN en ce moment, la Coupe d'Afrique. Et bref, je regardais ses stories et une meuf faisait ça. Et ça m'a tué de rire, quoi. Donc, du coup, voilà. Quoi. Je rappelle que le Cameroun éliminé au pool, hein. Moi, la vérité, les gars, je regarde pas. Donc, je sais pas, je. Ok, alors, c'est parti, let's go. Ah ouais, c'est mort en fait. Je suis en briozo, la salle. Hein. Que sur sa play. Et je crois que la salle, j'ai entendu dire que t'avais la briozo il y a 50 ans. C'est vrai que la briozo, je l'ai eu il y a un petit moment, je m'en rappelle plus. Alors là, pour une fois que je peux utiliser le frein à main. Par contre, il y a une scramjet en bas, mais c'est toujours la même. Qu'est-ce qu'elle fait? And winner is. Quoi? T'as 21 véhicules d'avance sur moi. La salle, si jamais j'ai les voix, donc si t'as un game bleu, je peux le mettre aussi sur ta. T'as oui, t'es un peu plus loin, disons. Hein, voilà quoi, ouais, salut. Ah ouais. Alors, la question c'est Gats et Eden, vous êtes où? Moi j'ai visé le top 10, j'ai dit top 10. Moi je vise le top 20. Moi je vise le top 21. Regarde, moi je triche en plus, regarde, tac. Ouais, c'est de pire en pire en fait. Top 20, top 21. Ok, j'ai réussi à passer. Oh, je voulais shooter. Ouais, Nune, je t'ai vu en avion. C'est toi, je voulais shooter, non? C'était toi? Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on a? Le bus, par l'instant, je l'ai pas eu. Et bah voilà, en parlant du bus, je l'ai. Et j'ai vu le 9ème qui est juste devant. Waouh! Normalement, le bus, ça passe crème dans la salle. Ouais. Ça va. C'est juste la caméra qui bouge un peu bizarre, mais sinon, ça va. Ouais, bah oui, bah j'imagine, hein, ça va faire comme la Briozo. La Briozo, ça m'a fait une caméra bizarre aussi. La Briozo qui? On rappelle Briozo. Allez. Est-ce que vous êtes déjà allé au zoo? Qui force avec ces questions? Moi je suis déjà allé au zoo effectivement et Moi je suis pas. Moi j'y suis allé récemment en plus, ouais. Et les animaux que j'ai vus m'ont impressionné parce qu'en fait, quand on les voit dans les documentaires et tout, ils ont pas l'air aussi gros mais en fait ils sont énormes. Mais est-ce que tu connais la réserve naturelle de Sijan? Ah, j'y suis allé moi! Ouais. T'y es allé, Eden? Mais ouais, j'y suis allé il y a.
En gros, c'est un très 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 grand zoo dans le sud de la France. Et bah, je suis pas du tout sponsorisé. Mais en fait, en gros, t'as une partie du zoo où tu es dans ta voiture. C'est éclaté, en fait, c'est nul. Tu vois les ours, les lions, c'est nul, les tigres. On les voit pas, menteur, j'y suis allé, on les voit même pas. Moi, ce qui m'a choqué, moi, le plus, c'est que j'ai vu les... T'es pas allé dans la bonne période, parce que moi, quand j'y étais allé, il y avait les lions et les ours juste à côté de la voiture. Et je me rappelle, j'étais petit, mon père, il voulait ouvrir la fenêtre. J'y suis allé là, en plus, il y a pas si longtemps, il y a quelques mois, là. J'y suis allé, franchement, je suis resté 3 heures grand max. Il faisait trop chaud, c'était horrible. Mais t'es pas allé à la bonne période, parce que moi, quand j'étais allé, je t'assure que les animaux, ils sont à côté de toi, genre. Ah ouais, les girafes, les ours, des lions et tout, ils sont à côté de toi et toi t'es dans ta voiture et bah tu les vois vraiment comme si t'étais dans un safari quoi. Franchement ça donne envie. Bah moi, est-ce qu'il y avait un Megapithecus? Oui. Non, moi j'en ai vu en plus. Ah ouais? Il y avait même une wyverne pour... Une wyverne de feu ou pas? Ah ouais, là j'ai envie d'y aller alors. Hey les gars, véridique, vous savez que moi je suis allé récemment, la salle, je vous avais envoyé des photos où même le singe il est rentré dans la poussette. Ouais. Non mais véridique, j'y suis allé, il y avait un lion et tout, et genre je suis parti, 2 jours après le lion il est mort. Non. Toujours c'est vrai. Il a fait un sort. Non parce qu'il était vieux, mais genre j'ai vu quand même un lion vieux, genre c'était bien quoi. Bah en tout cas si vous avez l'occasion d'aller à Sigean aux bonnes périodes, je vous assure que c'est une bonne expérience. Je vais chier, toi, tu vas prendre des parrainages toi dessus, c'est... Bah ouais, bah ils ont... Qu'est-ce que ça coûte, une coronesse quand même? Ouais, parce que bon, c'est 60 balles je crois par personne. Ah ouais, moi j'ai payé, j'ai tremblé quand je sortais ma carte là-bas. Ouais, c'est Rocky Marines. S'il est la méga amp à la fin les gars. Là, moi directement, je te le dis. Allez Dan, je te concède à la fin, c'est magnifique. Mais attends, mais il est bourré ou quoi Lucky? C'est quoi cette voix là? Waouh. Mais t'es malade? Non, ça a bugué à la fin. Bah qu'est-ce qu'il a, Enuin? C'est moi, il a changé de voix, genre. Attendez. C'est devenu un alien. Mais je crois qu'on a perdu la salle, par contre. Il a dit, je vais faire caca, vous avez pas entendu? Ah, c'était ça la voix bizarre. Et bah les gars, je suis vraiment content de moi, parce que j'ai dit que je ferais le top 10, et c'était l'objectif de cette vidéo. Et j'ai fait 9e, c'est encore mieux, et ça... And the winner is not... And the winner of the top 10, Enuin. GG. Wow, les gars, je suis éclataxe.